Quelle précision, les amis, 18h pile, nous sommes en direct sur 01net TV. Et comme chaque jeudi soir, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour 30 minutes de débrief de l'actualité de la semaine avec Jérôme Colombin qui est à mes côtés. Salut Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous. On n'est pas tout seul, vous Non. allez le découvrir dans un instant. On se retrouve comme tous les jeudis soirs avec toute l'équipe de 01net et puis du labo 01net pour parler cette semaine tout d'abord de Nokia. Nokia qui bouge encore, il n'est pas mort, le Finlandais lance une tablette et une tablette sous Android. Voilà, on Pour vous dira qui, un petit pour peu quoi? On va voir ça. quelles sont ses spécificités et puis va-t-elle se démarquer de cette forêt de tablettes Ouais, Android qu'on retrouve un c'est vrai. peu partout. On va parler de musique en streaming, peut-être l'avez-vous lu sur 01net.com. Ça y est, il semblerait qu'Apple s'y mette. Beats Music serait intégré sur iOS dans quelques mois. On va en parler avec Eric Le Bourlou. Les Google Glass auraient du plomb dans l'aile. Les Google Glass Déjà qu'elles sont vont-elles? lourdes. Oui, c'est Enfin vrai. bon, Avec une très batterie qui bien. tient pas, en En plus. plus. Le projet, en tout cas, fait jaser en ce moment, mais Delphine Sabatier, elle les a essayés au musée et il paraît que c'est très sympa. Et puis nous irons du côté du labo 01net, comme chaque jeudi, vous le savez, pour terminer ce 01 Live Hebdo, avec Bruno Cormier qui nous parlera de sa nouvelle télé, en tout cas, et je sais qu'il est tombé amoureux de cette télé, c'est la nouvelle télé LG OLED qui semble intéressante. Et puis, avec Aymeric Siméon, on s'intéressera à une enceinte Bowers & Wilkins Bluetooth. C'est une première pour Bowers & Wilkins. Bowers and Wilkins Bluetooth, C'est pas c'est pas facile, hein. facile à dire. Non, mais Bowers & Wilkins Bluetooth. Ça y est, j'y suis arrivé quand j'ouvre la bouche. Et c'est la première enceinte Bowers Bluetooth. On en parle tout à l'heure. Et voilà, vous nous suivez sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la Live TV d'Orange. C'est 01 Live Hebdo, c'est parti. Évidemment, nous sommes en live, évidemment, vous pouvez discuter avec nous, poser vos questions et réagir à l'actualité qu'on va évoquer ce soir. Hashtag 01live sur Twitter. Hashtag 01live. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Jérôme, notre question 01net orange. Comme chaque semaine, donnez-nous votre avis sur un fait d'actualité. Donc, on parlait des Google Glass, on va parler des Google Glass. Croyez-vous encore aux Google Glass? Puisqu'on dit que certains développeurs laissent tomber leurs projets, certains possesseurs de Google Glass les revendent sur le web. Alors, on vous a demandé votre avis. Pour l'instant, on est à 50% non. Vous ne croyez plus au Google Glass? Oui, 46%. Sans opinion, 4%. Voilà. On verra Bon. si ça évolue tout à l'heure après la chronique de Delphine. Voilà, qui va peut-être vous inciter à voter, mais vous pouvez d'ores et déjà le faire, 01net.com. Allez, 18h03, on s'intéresse à l'actu tout de suite. Et l'actu, eh bien, elle vient de chez Nokia, hein, Jérôme, puisque Nokia, contre toute attente, c'est vrai qu'il y a eu un petit teasing sur le web qui a duré quelques heures. Voilà, Nokia a annoncé une nouvelle tablette. On va en parler avec Christopher Séminelli. Salut Christophe. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Christopher, hein, Christopher. bien sûr. À chaque Christopher, fois, il te à bombe chaque la fin de fois. ton prénom. Je vais l'appeler Jean-Pierre maintenant. Oui, tu as raison. Non, tu devrais m'appeler Franck. Venge-toi. En Ok, fait, ce serait plus Franck. logique. Salut Allez. Franck. Bon, Christopher, cette tablette Nokia, alors on l'a pas encore au labo, hein. Non. Elle a été annoncée il y a quelques heures par Nokia. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nokia n'est pas mort? Nokia n'est pas mort, loin d'être mort même. C'est marrant, ils ont fait du teasing avec une boîte, un genre de boîte noire. On se disait, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc? On pensait peut-être à un boîtier de télé. Oui, c'est vrai. Ça ressemblait assez, À une Apple TV, ça ça ressemblait ressemblait un pas mal peu. à une Apple TV. Et finalement, c'était la boîte de la tablette. Donc ils ont fait du teasing sur la boîte de la tablette. Et donc Donc très la très boîte, bonne l'emballage, surprise. c'est Ouais. ça? Oui, parce qu'en fait, la boîte, Ah c'est ouais. l'emballage de la tablette. C'est pas mal, Bon, ça. voilà. Ouais. Bon, ils sont bizarres, ces La Finlandais, prochaine mais. fois, je ferai voilà, un teasing sur l'emballage de la boîte de la C'est tablette. ça. Le sachet. Voilà, sur le Non, en tout sachet. cas, très très bonne surprise que cette tablette, donc une tablette qui s'appelle Nokia N1, très très proche de l'iPad mini 3 dans ses dimensions, dans le design. On a une coque arrière entièrement métallisée. Donc c'est 9 pouces, c'est ça? 8,9 Non, pouces? 7,9 pouces, Ouais, format presque 4 8. tiers. Donc voilà, à peu près les mêmes dimensions que l'iPad mini, mais encore plus fine que l'iPad mini. Waouh, comment est-ce Plus possible? légère aussi, donc voilà, Apple, l'iPad mini 4, ils vont avoir fort à faire pour battre ce nouveau record. Alors que dire de plus, c'est une tablette sous Android, ce qui est quand même Bah oui. totalement Qu'est-ce incroyable que c'est que cette histoire? chez Nokia. Attention, c'est Nokia et non pas Nokia Microsoft. On rappelle que Microsoft a racheté uniquement la division mobile de Nokia. Ça inclut les brevets, les technos, et aussi évidemment tout le personnel de Nokia qui était dans cette division mobile.
Mais rien n'empêche aujourd'hui Nokia de sortir d'autres appareils sous sa marque avec d'autres systèmes d'exploitation et d'autres produits que des smartphones. Ouais, exemple, cette tablette, elle est fabriquée par Qualcomm de A à Z. Elle était conçue en termes de design par Nokia, mais c'est Qualcomm, Foxconn. Ah oui, c'est très proche. Foxconn, c'est qui fabrique les iPhones, qui fabrique beaucoup d'appareils pour Apple. Donc c'est Foxconn qui est véritablement derrière cette tablette et ils ont utilisé Nokia comme une marque, une licence de marque. Hein. Donc donc c'est pas véritablement Nokia qui l'a créé, c'est ça ? Ils ont travaillé dans le développement, dans la conception, mais plutôt en termes de design, mais toute la partie technique, parce qu'il y a beaucoup moins d'ingénieurs aujourd'hui chez Nokia qu'il y en avait. Assez surprenant. Alors, on se souvient, il y a très longtemps, j'étais allé dans un hôtel, je ne sais plus dans quel pays, où il y avait des télé Nokia. Donc ça veut dire que demain, on pourra fabriquer des télé Nokia. Fabriquer des écrans d'ordinateur Nokia, à tube cathodique. Ils fabriquaient aussi des GPS, ils fabriquaient pas mal de choses. C'est une époque... Donc en fait, Nokia n'est pas mort. Nokia n'est pas mort. Parce qu'ils ont cédé donc toute leur filiale mobile à Microsoft, qui vont s'occuper en fait. Parce que ce qui reste de Nokia, c'est toute la partie réseau, infrastructure réseau, qui garde Nokia Networks. Voilà. Donc là, on peut imaginer d'autres produits et la marque, de la part de Nokia. La marque leur appartient encore, donc ils en font absolument ce qu'ils veulent. Avec peut-être quelques contraintes, on est d'accord. Ça m'étonnerait qu'ils lancent un Windows Phone low cost dans les prochaines semaines. Ouais. Hein, dans le contrat, il doit y avoir des petites alinéas sur ce sujet. Mais Nokia n'est pas mort. En tout cas, c'est un bon pari s'ils prêtent leur marque sur des produits qui sont aussi bien finis, en tout cas sur le papier. C'est assez prometteur. Mais ça va être quand même difficile de se démarquer, parce que c'est une tablette Android de plus. Hein. Eh ben peut-être que non, parce que franchement, il y a beaucoup de tablettes de ce format-là, de constructeurs très connus, qui franchement, sur le papier, ne sont pas à ce niveau. D'autant que le prix annoncé de $249 pour un gros processeur. Il y avait une question justement. $249, on a un gros processeur Intel 64 bits. Lollipop 5, vraiment une machine vraiment sympa quoi. Bon, ben on attend de voir. Avec un bel écran. On la reçoit quand? À partir de février, apparemment. D'accord. Donc on pourra réveillonner sans la tablette Nokia. Mais en tout cas, nous, on a hâte de la recevoir pour voir ce qu'elle a dans le ventre. D'accord. Nous avons aussi Quentin qui nous dit, tiens, peut-être des objets connectés pour Nokia dans les semaines ou les mois qui viennent. Pourquoi pas? On peut s'attendre à tout. Mais ça va être intéressant de suivre un petit peu les rebondissements de cette marque mythique, mine de rien, qui a quand même une belle aura encore. Ah, juste une petite précision, elle a une prise micro USB réversible. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est hyper sympa. Ça, c'est génial. Donc, encore une fois, on se rapproche de ce qui se fait avec l'iPad mini et leur câble Lightning qu'on peut utiliser dans les deux sens. Et c'est vrai que c'est beaucoup de soucis en moins le soir, quand on branche son appareil. Quand on parle de câble, Jérôme se réveille d'un coup. Là, on vient parler de prise mini réversible. Ah ouais, c'est génial! Donc, Jérôme pète un câble. On avait présenté une voiture volante qui arrivait dans le studio, quoi. Là, c'est une prise USB réversible, quoi. Énorme. C'est magnifique. Allez, bon, j'en dis pas plus. Ça va, tout va bien, Jérôme. Bon, allez, passe la parole à Eric alors. Si vous voulez réagir, tiens, donnez-nous votre avis. Qu'en pensez-vous de ce retour de Nokia? Dites-nous. #01live sur 01net TV. USB réversible, c'est bien, non? Oui, visiblement, c'est pas mal. Non, mais t'as raison, c'est pas mal finalement. Bien sûr. Christopher, merci. Je sais pas. Oh, il l'aurait dit. J'adore. Il l'aurait dit. Écoutez, micro USB, qu'est-ce que ça donne? Ça suffit. Éric Le Bourlou nous a rejoint. Bonjour. Salut, bonjour Eric. Et bienvenue Éric Le Bourlou de la rédaction de ZeroNet. On va parler avec toi de Beats Audio. Ouais. Est-ce que juste avant, on pose la question à Eric à propos d'une autre tablette qui a fait parler d'elle cette semaine, qui s'appelle Joula, c'est ça? Joula, ouais. Alors, très brièvement, c'est quoi cette tablette? C'est une tablette justement qui a été conçue par des anciens de Nokia. C'est ça qui est drôle. Ah, ce sont des anciens de Nokia qui ont conçu cette tablette. Et cette tablette a ceci de particulier qu'elle ne tourne pas sous Android. Enfin, pas exactement. Elle tourne sous un OS qui s'appelle Selfish et qui est donc un OS qui
sort de nulle part, enfin pas tout à fait. Oula. C'est un ancien OS qui s'appelait Migo, hein. Christopher connaît très bien ce système aussi, qui a disparu. C'était censé être le nouveau OS de... C'était fait par Intel, mais Nokia. C'était sur le N900 de Nokia. Voilà. Voilà, et ce fameux Migo était censé devenir le nouveau Symbian de Nokia. C'est un super OS. Et voilà, c'est un super OS. Et en fait, il n'est pas complètement mort. Il s'est transformé, il a muté en ce Selfish OS qui est aujourd'hui dans cette tablette. Dans le cimetière des web, vous avez le web. Le web OS. Qui n'est pas au cimetière, puisqu'il il est dans cette télé, fameuse télé LG notamment. Oui, on découvrira tout à l'heure avec Mais cette tablette est particulière parce qu'elle fait tourner évidemment des applications natives pour son propre système, mais elle est aussi capable de faire tourner des applications Android. Alors, ce qu'il y a de particulier aussi avec cette tablette, c'est que ça a été conçu alors avec un soin de design particulier. Elle a été aussi crowdfundée sur Indiegogo et là, ils ont déjà dépassé leur objectif, donc elle sera disponible. Et il y a pas mal d'attentes en fait sur ce produit, étonnamment. C'est une tablette, on aura l'occasion de la tester aussi, mais on va voir ce que ça donne. Et ils promettent en fait une expérience du multitâche qui sera bien meilleure que ce qu'on a sur Android ou sur iOS. Donc voilà. Une appli de 3 points. Et je le vois aussi, ils mettent aussi un accent sur la vie privée parce que c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui, depuis qu'on sait que tout ce qu'on a sur nos smartphones peut être regardé par la NSA assez facilement. Ils mettent aussi vraiment en avant ce côté vie privée. Vos données sont sécurisées ou en tout cas autant que faire se peut sur ce matériel. Bon, très bien. Joli. Bon, on n'a pas de date de sortie, on ne sait pas trop. Si, c'est pour le début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, d'accord. Ben, vous allez avoir du boulot, entre la Nokia et la Joula. Ça n'a pas rigolé. Très bien. Merci Eric Le Bourlou. Merci. Mais non, c'est pas fini. Mais non, pourquoi je dis merci Eric, il est toujours là, puisqu'on va parler de Beats Audio quand même. C'est quand même le gros morceau. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de chez Apple? Ça y est, on a l'impression qu'ils assument leur achat de Beats. Alors en fait, déjà ce qui se passe, c'est que c'est un papier, pour l'instant ce n'est pas officiel, c'est un papier du Financial Times, donc qui n'est pas n'importe quel journal. Donc en général, quand ils balancent une info, ils sont à peu près sûrs de leur info. Enfin, c'est crédible. Et ce qu'ils annoncent, c'est qu'effectivement, Apple va bientôt embarquer Beats Music dans tous les appareils iOS. Donc vous achetez un nouvel iPhone, vous aurez par défaut Beats Music sur votre iPhone. Donc Beats Music, c'est quoi? C'est du Spotify en fait. Alors on l'avait testé, d'ailleurs on me rappelle qu'on avait fait on avait parlé un peu ici, on l'avait testé à l'époque où c'était sorti. Vous avez bien aimé d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce logiciel et je continue d'ailleurs à l'apprécier. Mm-hmm. C'est effectivement un service de streaming à la Spotify, mais qui est un petit peu différent. Déjà c'est beaucoup plus design comme on le voit là, c'est plus joli, c'est bien fait, il y a des petites animations, etc. Et surtout ils ont ce qu'ils appellent des curateurs entre guillemets, qui en fait ont créé des playlists sur tous les genres de musique possibles et imaginables, ce qui fait qu'on a très vite des sélections de musique qu'on n'avait pas sur Spotify jusqu'alors et commence à s'y mettre. Mais c'est éditorialisé. C'est éditorialisé et c'est plutôt très bien fait. Et donc ce service qui existait avant qu'Apple ne le rachète est maintenant en fait toujours disponible aux États-Unis, mais connaît un bide assez certain, faut bien dire ce qu'il est, puisqu'ils n'ont qu'à peu près 100 000 abonnés, ce qui est absolument ridicule face un peu plus de 10 millions maintenant d'abonnés payants, parce qu'évidemment c'est payant, 10€ par mois, $10 par mois de Spotify. Et donc là ce serait payant dans les iPhones? Alors ce serait payant, évidemment. Le truc c'est que Apple débarque, il y a à peu près 450 millions de comptes iTunes activés, si vous voulez. Si Apple dit, maintenant Beats est compatible, Beats Music compatible avec votre compte iTunes, il y a potentiellement 450 millions de clients. Faut comparer ça aux 15 millions, même pas, d'abonnés Spotify. Un potentiel de 450 millions de clients qui ont directement ce logiciel sur leur téléphone, leur iPad, leur iPod. Ça peut être un coût énorme pour Apple pour se lancer sur ce créneau de la musique en streaming. Et en fait, effectivement, ce sera pas forcément le même prix, puisqu'on sait qu'Apple est en train, en coulisses, de discuter avec les maisons de disques pour essayer de faire baisser ce prix de 10€ pour que ça soit un peu moins cher. Et effectivement, on sait bien que s'ils arrivent à faire, c'est exactement le même catalogue que Spotify, vous n'aurez pas de différence. D'accord. Donc s'ils arrivent à arriver à un prix un peu moins élevé que Spotify ou Deezer, c'est sûr qu'ils vont là. Ça ferait très mal. Ça peut être c'est potentiellement... Spotify et Deezer qui vont être contents. Oui, ils doivent être très contents de l'arrivée d'une application préinstallée qui vient concurrencer directement leur business. C'est d'ailleurs, je pense que ça peut poser des problèmes. Ça pourrait poser des problèmes, effectivement, mais ça existe déjà, parce que quand vous avez. Beats est disponible sur Android aussi.
c'est ça? C'est tout à fait disponible sur Android, alors, mais peut-être que demain ça disparaîtra parce qu'on connaît Apple. Alors l'autre truc qui est intéressant dans ce papier du Financial Times, c'est qu'ils disent que cette sortie pourrait être concomitante avec celle d'Apple Watch et que en fait cette application fonctionnerait de concert avec l'Apple Watch, qu'Apple développerait une application spécifique pour sa montre connectée qui marcherait avec Beats Music. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que le Financial Times évoque la date du mois de mars. Mm-hmm. Il serait possible donc que l'Apple Watch sorte aussi au mois de mars du coup. Eh bien, tu vois, voilà, on risque d'avoir un début de printemps ou une fin d'hiver assez chargé du côté d'Apple. Bon, on a encore plein d'inconnus, hein. Est-ce que véritablement ce service pourrait baisser de prix et passer à 5$? Ça, c'est pas sûr. Ça, ce ne sont que des suppositions. Est-ce que l'album de YouTube sera mis dans les favoris de l'application? Tout à fait. Et est-ce que ce sera un succès? Parce que iTunes Radio, qui a été lancé aux États-Unis, oui, qui a été bundlé, en fait, pareil, de la même façon, n'est pas vraiment un succès. Donc, oui, c'est possible aussi que Apple fasse un bide et que les gens soient pas contents. Ouais. Et puis on parlait aussi de qualité d'audio, hein. On peut imaginer aussi qu'Apple mise aussi sur l'audio HD comme beaucoup de ses concurrents aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir un service de Beats Audio avec cette qualité audio HD, hein, qui pourrait être annoncée? Pour l'instant, beaucoup d'inconnus. Merci, Eric Le Bourlou. Merci, Eric. Je peux vraiment te dire merci, Eric Le Bourlou, de la rédaction de ZeroNet.com. À suivre, le Labo ZeroNet dans quelques minutes, avec la TV OLED de Bruno Cormier, et puis une enceinte Bowers & Wilkins Bluetooth d'Emeric Siméon. Je m'en sors plutôt bien. Mais auparavant, on fait peut-être un point sur la question ZeroNet Orange. Ah bah, si tu veux, tout à fait. Croyez-vous encore au Google Glass, dont on va parler dans un instant avec Delphine Sabatier? C'est la question 01net Orange du jour. Non à 61%. Ça évolue, hein, pas mal. Hein. Oui, 34%, sans opinion, 5%. Continuez, vous pouvez voter sur 01net.com dans l'article du 01 Live Hebdo. Messieurs, merci. Et tout de suite, on accueille Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir. Le retour de Delphine qui nous a beaucoup manqué ces dernières semaines. Oui, c'est réciproque. C'est vrai. Vous nous avez fait défaut là pendant deux semaines. D'ailleurs, les plaintes pleuvaient sur Twitter. Oui, voilà, c'est ça. On a reçu plein de recommandés avec accusés de réception. C'était terrible. Donc Delphine Sabatier, directrice des rédactions de ZeroNet, c'est notre Zoom Actu. Et on va parler de Google Glass parce que vous les avez essayés, ces Google Glass. Eh oui. Alors Delphine, il y a deux ans, c'est vrai que, rappelons-nous, c'était il y a deux ans qu'ont été dévoilées les Google Glass, oui, hein, les fameuses lunettes connectées. Mais aujourd'hui, deux ans plus tard, eh bien, le marché reste embryonnaire. On voit pas des gens dans les rues par centaines de milliers avec des Google Glass. Bref, les Google Glass auraient-elles du plomb dans l'aile? Il y a des rumeurs qui courent. Est-ce que Google pourrait abandonner ce projet? Oui, alors déjà, ils sont pas en vente en France. C'est pour ça qu'on n'en voit pas dans la rue. Faut pas trop dramatiser. Mais c'est vrai que vendredi aux États-Unis, c'était carrément le cauchemar puisqu'on a vu Sergey Brin, le cofondateur de Google, sortir dans la rue sans ses Google Glass. Il paraît qu'il ne quitte jamais normalement. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Bon, et puis il y a aussi, c'est vrai, des explorateurs, comme on dit, qui ont récemment jeté l'éponge et décidé d'arrêter de développer pour les lunettes de Google. Le lancement commercial, on l'a dit, aussi se fait attendre, c'est pas avant 2015. Tout ça, c'est des mauvais signes, d'accord, mais je dirais qu'il n'y a pas de quoi enterrer non plus un projet de wearable computing. Je rappelle quand même que les objets connectés et l'informatique qu'on porte sur soi, c'est l'avenir. Bien sûr. On le sait tous. Bien sûr. Par ailleurs, Google a quand même pris de l'avance sur ce sujet. Il serait très étonnant qu'ils mettent fin à ce projet. Mmh. On peut quand même se poser des questions sur les Google Glass. Est-ce qu'elles resteront en l'état tel qu'on les connaît? Ça, c'est pas sûr. C'est vrai que pour l'instant, c'est un prototype et qu'il y a des évolutions qui sont vraiment attendues. Par exemple, elles sont trop chères. La batterie est insuffisante. Le pilotage, il est quand même assez limité. Bon, donc le produit final, il se pourrait effectivement qu'il soit différent de ce qu'on connaît aujourd'hui des Google Glass. Mais que Google lâche le marché des wearables, ça, je n'y crois pas. Donc Delphine, on a bien compris que vous croyez à l'avenir des Google Glass, et peut-être parce que justement vous avez eu la chance de les tester dans un cadre exceptionnel au Grand Palais pour visiter l'exposition Niki de Saint-Phalle. Qu'avez-vous pensé de cette expérience? C'est vrai que j'ai eu de la chance, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Alors c'était pas une première mondiale, mais c'était quand même une première en Europe et une première en France. Voilà, il s'agissait de visiter l'exposition Niki de Saint-Phalle avec des Google Glass. Pour moi, tout était nouveau, hein. Et les Google Glass au Grand Palais, Niki de Saint-Phalle et l'application que j'ai découverte aussi. Ça fait beaucoup de nouveautés. Oui, là, franchement, Niki est sympa. Alors. Premier renseignement, Niki de Saint-Phalle, en fait, c'est assez trash. Ouais. Ouais. D'accord. Et c'est même plutôt noir, mais je vous conseille. Ça te plairait.
Oui, j'adore. Les Google Glass ensuite, j'ai trouvé que c'était très bien pour visiter une expo, mais j'ai rien trouvé de révolutionnaire. Vous verrez pourquoi. Oui. Et Guidigo, j'ai découvert aussi, c'est le nom d'une petite boîte française qui est spécialisée dans tout ce qui est visite culturelle, sportive, ludique. Et elle est déjà célèbre aux États-Unis puisqu'elle fait partie des 10 sociétés qui ont été sélectionnées pour le programme Glass at Work. Donc je vous résume rapidement, c'est un programme qui permet de développer des applications donc pour les Google Glass et qui va les certifier quand elles sont optimisées, lancées par ces 10 sociétés partenaires. Et puis, ça leur offre une place d'office aussi dans le Glass Store, qui est encore assez pauvre quand même. Le Glass Store, rien à voir avec les glaciers. Non. Hein, on est beau, on a envoyé des images de nous deux avec des quand Google on Glass. Avait essayé les Google Glass. Ça nous va super bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez aimé finalement dans cette, ou aimé et moins aimé dans cette visite à la fois virtuelle et réelle? J'ai bien aimé le surf avec les Google Glass. Au début, on craint la galère. Hein, le truc qui va plomber la visite parce qu'on va se perdre dans les menus. Et en fait, pas du tout. Très vite, moi, en 5 minutes, c'était comme inscrit dans mes gènes. Donc, je scannais les œuvres, je zoomais, je zappais, je revenais en arrière. J'étais devenue la reine des Google Glass. Voilà, super fière. Même si j'ai vu justement que mes voisins étaient tout aussi doués que moi. Ah. Donc, premier bon point quand même, l'utilisation est très simple. Les lunettes, elles se font totalement oublier sur le nez. Elles sont très légère et c'est assez sympa à utiliser. Ce que j'ai vraiment moins apprécié, c'est l'affichage. Franchement, l'écran est tout petit et la qualité des images était moyenne. Bon, et en termes de contenu, parce que c'est ça qui est intéressant, avoir sur le nez des Google Glass, ça apporte quelque chose lors de la visite d'une expo? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une œuvre de sculpture Niki Sinfa, ça peut être très grand, très complexe. Donc là, les lunettes permettaient d'afficher à l'image par couleur les détails qu'il fallait absolument observer. Donc ça, c'était intéressant. D'autres fois, on affichait simplement une photo d'archive où on voyait Niki Sinfa jeune ou alors quelqu'un, un personnage qui avait participé. C'est un complément de l'œuvre, en fait. C'est un complément de l'œuvre. On n'est pas du tout connecté à Internet. On ne peut pas aller sur Wikipédia ou 01net.com pour en savoir plus. Non. On est dans un circuit fermé, ce qui est d'ailleurs très rassurant parce que l'utilisateur se perd pas dans l'exposition, il part pas ailleurs, il reste tout le temps concentré sur sa visite. Et puis, il n'y a pas de risque, comme on a pu le voir ou dire, de piratage pendant l'exposition, des gens qui prennent des photos. Avec leur smartphone, oui, mais avec les Google Glass, non. Voilà. Donc, au final, moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais pas du tout surprenant. Pour ceux qui ont déjà utilisé un audio guide, on est vraiment très proche de ce genre d'expérience. Ouais, c'est le même concept. On a une voix qui nous raconte à l'oreille ce qui se passe. Alors, on a une petite oreillette pour pas déranger les voisins. À chaque fois qu'on passe devant une œuvre qui peut être commentée. Donc la différence, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça ajoute des images, alors parfois utiles, parfois vraiment pas indispensables. Mais ça peut être aussi un point positif, puisque finalement, elles ne perturbent pas du tout la visite de l'exposition. C'est-à-dire qu'elles se font très discrètes, les images qui apparaissent s'effacent pratiquement tout de suite, au bout de quelques secondes. Donc on peut regarder l'œuvre avec ses vrais yeux, et pas seulement à travers des lunettes. Donc au final, si je devais résumer mon avis sur les Google Glass, je dirais j'aime, mais je ne suis pas encore fan. Ah, donc vous cliquez j'aime, mais pas super j'aime. Non. En gros, c'est ça. Ouais, je ne m'abonne pas. Mais ça, en fait, on voit bien que c'est une des applications, mais qui est vraiment très très spécialisée. Et c'est peut-être ça l'avenir des Google Glass, des tas d'applications spécialisées. Je nous vois mal tous, dans 5 ans, avoir des Google Glass dans la rue. Parce que je pense que ça va même poser des problèmes de vie privée. Parce que mine de rien, on peut photographier avec ce genre d'appareil. Ouais. Et je ne pense pas que... Mais en revanche, il y a des tas d'applications professionnelles intéressantes. Hein, la médecine, la formation professionnelle. Tout je vois qu'aux États-Unis, il y a dans un KFC, les gens vont apprendre à faire des hamburgers en... Avec des Google Glass. Et oui. C'est le projet Glass at Work, c'est vraiment 10 secteurs d'activité, 10 entreprises. Vous allez voir qu'on va se retrouver avec des Google Glass dans un KFC un jour. C'est terrible. Merci Delphine. J'en prie. Delphine Sabatier, directrice de rédaction de 01net. Jérôme, je sais que tu attends ce moment avec impatience. On va parler de micro USB réversible. Yes. Non, on va parler de TV OLED et d'enceinte Bluetooth haut de gamme avec Bruno Cormier et Aymeric Siméon qui nous rejoignent tout de suite. Toujours ce hashtag 01live qui vous tend les bras. Allez-y sur Twitter, posez-nous vos questions, réagissez au sujet qu'on évoque
comme par exemple les Google Glass il y a un instant. Il y a des petits commentaires sur les Google Glass, notamment. Oui, des lunettes à recharger toutes les 3h30, ça craint, c'est Ludovic. Non, c'est vrai qu'il y a un problème d'autonomie avec les Google Glass. On en reparlera, hein, c'est un sujet sans fin les Google Glass. Eric aussi qui nous dit qu'il y a des Google Glass à la française, hein, on les a Oui, il y a quelques temps de cela. Est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec les Google Glass, donc les vrais Google Glass? Très bonne question. Bon, 18h25, on accueille Bruno Cormier. Salut Bruno. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bruno qui est venu avec sa télé. Non. Non. Presque. Elle est à côté. Mais c'est vrai, elle est à côté. Elle est dans son salon. On va la voir, vous allez la voir quand même. Elle est bien au chaud, mais vous la verrez, mais elle est bien au chaud dans nos labos. Bon, parce que les télés, alors en ce moment, il y en a énormément. Celle-ci a une particularité, c'est une télé OLED, et c'est l'une des premières télés OLED vraiment séduisantes, c'est ça Bruno ? Disons, séduisante et pas trop chère, relativement abordable pour les passionnés en tout cas. Regardez cette image déjà, on a vu un petit bout là, c'est impressionnant. Déjà rien qu'avec la caméra, on se rend compte du contraste et de la luminosité. Je me faisais la même remarque. C'est impressionnant. Alors l'OLED c'est magique, hein. Les noirs sont parfaits, l'image est ultra nette, les couleurs sont très vives, on a l'impression de pouvoir toucher la matière, hein, souvent, c'est assez impressionnant. Donc celle-là, écoute, sur le marché, on peut l'acheter à 2790, ce qui est pour une technologie OLED 55 pouces, donc c'est quand même une grande taille. Ouais, c'est un grand format. C'est pas beaucoup, hein. Surtout qu'aujourd'hui, LG fait un remboursement jusqu'au 31 décembre de 500 €, donc on va la toucher 500 € en moins. Ah ouais. Voilà, un distributeur fait 50 € de réduction en plus, donc on peut vraiment la toucher à genre à 2250 à peu près. Pour une OLED 55 pouces, ça commence vraiment à être sympathique pour les passionnés, quoi. Oui, parce que ça reste malgré tout une télé haut de gamme, et on peut imaginer qu'une télé haut de gamme 55 pouces en LCD, c'est quoi, 1 000 €, 1 500 €, c'est ça? Non, en 55 pouces, en très haut de gamme, alors, on va dire là c'est le bas de gamme du OLED, mais le OLED est très cher quand même. Mais en haut de gamme LCD ça peut monter au même prix, 2000-2500 € pour du 55 pouces chez Samsung notamment, ça peut monter très vite, donc c'est pour ça que je dis que cette OLED est finalement est pas plus chère finalement qu'une télé LCD. Parce qu'elle a des fonctions connectées malgré tout, elle est sous WebOS, donc elle a une interface très sympathique à regarder, c'est très fluide. C'est chouette, on dirait un peu du Windows, tiens. Oui, c'est vrai. C'est très convivial. C'est assez sympa à utiliser, surtout qu'il y a une télécommande gyroscopique qui permet de, en fait, un peu comme la Wii, hein, qui permet de diriger un pointeur sur l'écran, et ça marche très bien. Alors ça existe depuis assez longtemps chez LG, mais c'est une réussite totale. Donc c'est un téléviseur incurvé, on le voit. Hein. C'est un téléviseur incurvé, très légèrement incurvé. D'accord. Donc ça, c'est pas du tout gênant. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je suis toujours pas convaincu, hein, personnellement, mais en tout cas c'est pas gênant du tout. Le seul problème objectif de l'incurvé chez les téléviseurs, c'est que ça augmente la taille des reflets en fait. C'est-à-dire qu'un reflet qui serait tout petit sur un écran plat, va être complètement étiré. C'est un halogène derrière la télé, c'est fini. On saura jamais s'ils ont fait les téléviseurs incurvés véritablement parce qu'il y a un bénéfice consommateur ou simplement parce qu'ils avaient un problème technique qui fait que si elle était plate, elle serait moins solide, elle se torderait moins souvent, surtout pour le LED qui est très souple puisqu'elle est extrêmement fine, moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc là, par rapport aux dernières OLED, aux précédentes OLED de LG, elle est beaucoup plus belle avec un cadre beaucoup plus rigide. Et là, c'est ce qui fait vraiment avec un pied en aluminium et ça, c'est ce qui fait que ce téléviseur est beaucoup plus charmant en fait. Ouais, elle a une bordure. J'ai entendu récemment de la part d'un fabricant que quand même faire un téléviseur LCD courbé, hein, pas OLED, mais LCD courbé, ça leur coûte 15% de plus à la fabrication en termes de prix. Donc c'est pas uniquement une astuce pour pouvoir faire que la télé soit plus rigide. Ouais. En gros, si j'ai un budget de 2 000 €, donc c'est quand même une somme, on est d'accord, hein, mais si j'ai 2 000 €, je dois acheter une télé. Il faut se tourner vers ce modèle. Voilà, alors c'est une Full HD, c'est pas une 4K, mais dans la mesure où il n'y a pas de source 4K, il n'y en aura pas avant très longtemps, à part si vous êtes sur Netflix, et encore ça va être des sources 4K de qualité tout à fait. Je veux dire, ce sera pas comparable avec du Blu-ray en 4K, le débit sera limité. Je veux dire, le 4K, on le verra en 2016 minimum pour les sources, surtout en broadcasting. Dans la mesure où le 4K n'existe pas vraiment, oui, on peut se permettre d'acheter cette télé en Full HD et d'avoir
une image absolument magique. Le seul défaut de cette télé, c'est que peut-être qu'elle va manquer un petit peu de luminosité, et encore, ils se sont beaucoup arrangés dessus, puisqu'ils ont légèrement modifié la matrice OLED et tout ça, et que certains... la luminosité va varier parfois, honnêtement, dans les films, c'est très peu gênant, et la qualité d'image est vraiment, vraiment magique. Quoi. Alors, c'est juste une chose, il paraît que certains connaisseurs, en tout cas, qui sont spécialistes dans ce domaine de l'image, parfois hésitent entre une télé 4K LCD et une télé OLED Full HD, parce que en fait, parfois la différence c'est très ténue, parce qu'on a de tels contrastes sur une OLED que finalement, ça peut compenser le fait d'une plus basse résolution. Voilà, ouais. Surtout qu'en général, on est à 3 mètres d'une télé, et à 3 mètres, de toute façon, la 4K, on la voit plus. Hein. Voilà, et puis que de toute façon, la 4K, c'est... Ça n'a pas de raison d'en parler puisqu'on n'a pas de source 4K. Oui, voilà, donc voilà. Ça sera dans plusieurs années. Oui, c'est un peu le dada de François, donc on est obligé d'en parler. Désolé. Hein. Moi, c'est la 4K, lui, c'est les câbles. Chacun son truc. On a chacun nos trucs, quoi. Oui, c'est comme ça. Merci Bruno. Merci Bruno. On est en retard, mais nous sommes très heureux de recevoir Aymeric Siméon. Bonsoir. Avec son magnifique t-shirt Diablo. On voit que là, il y a des concours qui doivent se faire quand même. Là, regardez, la nuit, Aymeric met son t-shirt Diablo et il se passe des trucs incroyables sur le web. Complètement. Terrible. Mais entre deux parties de Diablo, ouais, il y a malgré tout Aymeric, cette petite enceinte. Tu es venu avec... Alors moi je trouve que ça ressemble à un poste de radio. Oui, c'est vrai, on dirait un poste FM. C'est vrai. Alors c'est la toute dernière création de Bowers & Wilkins. Voilà, grande marque. Voilà, pour grande marque connue, un peu plus confidentielle que des Bose, des Harman, etc. Hein. Donc elle s'appelle T7. Et c'est une petite révolution, on va pouvoir dire ça comme ça, puisque en fait c'est la première enceinte Bowers qui soit Bluetooth. Puisqu'avant Bowers c'était un grand copain d'Apple, il fonctionnait beaucoup avec le AirPlay, ils adoraient le AirPlay. Ouais. Et là on se met au Bluetooth. Donc ça veut dire qu'on s'ouvre un petit peu chez Bowers. Enfin, ouais. Et elle n'est que Bluetooth ou elle n'est que Bluetooth. Bluetooth et AirPlay. Ah non, elle est que Bluetooth. Que Bluetooth, voilà. Compatible haptics. On peut pas avoir les deux. Voilà. C'est-à-dire que le marketing, là, voilà, ils ont cédé au marketing et puis surtout au tsunami d'enceinte Bluetooth. Bowers et Wilkins étaient obligés d'arriver sur ce segment. Oui, alors il y a ça d'une part, et puis d'autre part, l'un des représentants de la marque nous le confiait aussi, c'est qu'aujourd'hui, AirPlay, hormis dans on va dire dans le microcosme Apple ou des utilisateurs avancés d'Apple, quand on est en grande surface, etc., essayez de trouver un vendeur qui va être capable de vous expliquer ce qu'est l'AirPlay de façon, on va dire, simple et probante. Ouais. Chez Bowers, a priori, ils ont fait des essais et ils n'ont pas été tout à fait ravis du résultat. Mmh. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que le AirPlay, on a beaucoup de mal à le vendre, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Alors que le Bluetooth, finalement, j'apprends que mon téléphone, il est Bluetooth, je la perds avec mon enceinte. Donc là, avec la T7, ça se fait en 2 secondes, top chrono. Voilà, et puis en plus, on peut avoir un iPhone, on peut avoir un Android, un Windows Phone, ça marche sur tous les appareils. Même avec un PC, on peut, chaque techno, je trouve, a son avantage, parce que le Bluetooth aussi, on est accroché, donc si on veut mettre un autre, se connecter à un autre, il faut se désappairer. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de... Beaucoup d'appareils qui effectivement demandent de se désappairer, mais gardent en mémoire les 8 derniers appareils qu'on a appairés avec l'enceinte. D'accord. Donc typiquement j'ai 8 smartphones chez moi. Bon, quand je passe de l'un à l'autre, par exemple au labo, quand on fait nos tests, on n'est pas obligé systématiquement de réappairer de façon un peu laborieuse l'enceinte avec le téléphone, l'enceinte, le compteur. Aymeric et le son, parce que c'est important. Alors le son Bowers, alors voilà, il y a un son Bose, il y a un son Harman, il y a un son plein de choses, enfin il y a un son Beats, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà, le son Bowers, alors c'est un son qui plaît généralement aux audiophiles, parce que relativement neutre. Les touches de commande sensitives là-dessus. Tout à fait. Alors en fait, elles sont pas sensitives. Si on appuie dessus, il y a un poète-poète. On sent que ça, il y a un petit poète-poète. Voilà. Ça, il y a un peu de retenue. Je crois qu'on va garder ça pour poète-poète. Vous avez des boutons poète-poète, les amis. Voilà. Il y a donc voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, voilà. Voilà. Donc, le son. Le son. Très bien. Elle est bonne ou pas ? Ouais. Ça va. Alors c'est pas mal. Plutôt pour audiophile. Il faut avoir quand même de bons fichiers. Alors on s'entend. Si on essaie de lire du MP3 128 kilos cracra.
droits sortis d'iTunes. Ouais. Voilà, si on n'a pas fait un petit effort quand même ou d'encodage de sa musique, si on n'a pas de bonnes sources, on n'aura pas de toute façon un bon résultat. Hein. C'est dans la musique, c'est comme ça. On a une question de Romain. Ouais. Quid de l'autonomie? L'autonomie. Alors, Bower s'annonce 18h. On va être tout à fait transparent avec vous. Elle est arrivée au labo il y a 2h. Ah oui. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le temps de vraiment voir ce qu'elle valait, mais on va s'y atteler. Le son est bon. Je reviens sur le son. Il y a deux radiateurs passifs à l'intérieur. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais ça permet une très bonne restitution des basses. Ah ouais. Et cette espèce de structure alvéolée là qu'on voit qui oui, encadre, des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Alors, une abeille, en fait. Voilà, c'est ouais. une abeille. Alors, chez Bower, ça s'appelle la technologie Matrix, et c'est une techno qui est que l'on retrouve dans les enceintes très haut de gamme. Qui sert à habiller les enceintes de Bowers qui équipent tous les grands studios d'enregistrement comme celui de Bay Road notamment à Londres. Voilà. Encore deux questions, est-elle NFC et combien elle coûte? Alors NFC c'est une bonne question et je ne crois pas. Mais de là, en tout cas, il n'y a pas de logo NFC. Non, en général, quand ça demanderait vérification, je vous avoue que là j'ai un trou. Et alors combien ça coûte? 350 €. Oui. Et c'est là que Bowers a un peu de mal à se caler par rapport à la concurrence, puisque chez Bose, la Soundlink Mini est à 200 €. On a des Jabra qui sont moins chers que ça. En fait, très clairement, celle-ci vient s'opposer à la Soundlink 3 ou à la famille des Soundlink, mais pas de la Soundlink Mini. Et pourtant, moi, j'aurais plutôt tendance à la positionner en face de la Soundlink Mini de Bose. Voilà. Ah oui. Voilà. Qui alors, coûte moins cher. Qui coûte moins cher. Ah voilà. Ouais. Et a priori, en termes de puissance, c'est à peu près. Je pense qu'on est à peu près équivalent. Bowers ne communique pas, Bose non plus. Voilà. Bowers and Wilkins, donc, avec cette enceinte Bluetooth, la T7. C'est une grande marque. Qui sort là, qui est disponible. Elle est dispo fin novembre. Voilà, c'est là, ça arrive. Merci Émeric. Et puis le test complet, très vite, très avec bientôt, ouais. les autonomies, etc. sur zeronet.com. Puisque vous le savez, tous les sujets qu'on évoque dans ce Zéro en live hebdo, vous les retrouvez en version écrite et en vidéo d'ailleurs aussi sur zeronet.com et sur Zéronet TV. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Un dernier petit coup d'œil sur le sondage avant de se dire bye bye ou pas? Exactement. Sondage cette semaine à propos des Google Glass. Exactement. Attends, j'essaye d'attraper les résultats là. Ouh là là. On va y arriver. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. J'ai une vidéo qui a démarré. D'accord. Non, écoute, c'est pas grave. C'est pas exactement ce que je cherchais, mais si. Et on vous demandait justement si vous pensiez, vous croyez en fait au Google Glass. Est-ce que vous pensez que c'est la fin des Google Glass? Ou pas. Et vous pouvez continuer à voter, vous allez sur 01nettv.com. Vous avez vu comment on meuble bien, c'est incroyable, personne ne se rend compte du truc. 60% non et oui, 34% toujours. Exactement. Voilà. Merci pour vos votes, n'hésitez pas à nous donner encore votre avis. Ce 01 Live Hebdo est terminé, Jérôme on sera là bien sûr demain. Bien sûr, et puis samedi pour le JTech, et comme tous les jours, vous le savez, 7h du matin, la vidéo du jour, que vous retrouvez à 11h sur YouTube. Voilà, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Portez-vous bien, bonne soirée, à très vite. Salut à tous.